trois facteurs à prendre en compte dans un chausson à escalade. Au niveau de la semelle, on va avoir des semelles qui vont être souples, tandis qu'il va y avoir des semelles qui vont être beaucoup plus rigides. Au niveau de la semelle souple, on va parler ici d'une adhérence, en fait. Donc, on va avoir une meilleure adhérence sur les prises ou les volumes. Tandis qu'une semelle rigide, on va avoir un meilleur support au niveau des petites prises ou des gratons ici en avant. Au niveau de la cambrure, on a des semelles qui sont neutres, qui vont être beaucoup plus confortables, que ce soit pour le débutant ou le grimpeur qui va faire des longues voies à l'extérieur. Et on a aussi la semelle cambrée, qui va nous permettre d'avoir une plus grande précision au niveau des prises. Finalement, on a aussi l'enveloppe du chausson. Au niveau de l'enveloppe, il y a deux choses différentes, premièrement, qu'on peut constater. Il y a les lacets et il y a les velcros. Les lacets offrent un ajustement précis et beaucoup plus confortable. Par contre, le velcro va permettre de l'enlever beaucoup plus rapidement après sa graine. On va avoir un chausson avec un tissu en cuir et un chausson en tissu synthétique. Le tissu en cuir va être un chausson qu'on va acheter beaucoup plus petit, car il va s'agrandir avec le temps. Tandis que le chausson en synthétique est un chausson qu'on va acheter vraiment proche de la grandeur qu'on va vouloir avoir, parce que synthétique, ça ne grandit pas beaucoup. Au final, le point le plus important d'un chausson, c'est de l'essayer. Donc viens nous voir, ça nous fera plaisir de t'aider.